Biscardin, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorité dans la chaîne pénale là. Il est commissaire gouvernement, quand on dit commissaire Biscardin. Oui, il est commissaire gouvernement dans la juridiction et NIP et la Mirabouane. Alors, il y a un commissaire gouvernement, c'est pas n'importe quoi. Il y a pile autorité dans la chaîne pénale, il y a pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuite. Ça, il doit gagner, ça veut dire, il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale. Là. Donc, nous n'avons pas qu'à parler des absences d'État parce qu'ils sont autorité de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons. Jodi a en Haïti, ou gagne 18 juridictions justice. Et ou gagne 10 départements. Et lorsque les problèmes qu'on gagne aujourd'hui, ça nous est dans la civilisation du pays, eh bien, et banalisation de la vie monde, banalisation de la vie monde dans tout le pays, mais la civilisation, c'est tout d'abord la zone métropolitaine qui est dans l'eau qui ne peut pas se passer en 90%. Et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend limite, côté, bon, on quitte limite, côté prend la tour centrale, nord-est, nord, nord-ouest, et grand-est, sud, sud-est, il y a un commissaire gouvernement là-dedans, et il y a une sécurité dans cette zone. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement, et tant que vous savez, s'il voulait et appliquer la loi, et s'il veut combattre gang, la montée, la prend la loi comme vous savez, la montée task force comme chef ou suite, dans la juridiction, les salariés. Et paquetier, ça veut dire que même avec le petit commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans le RNDDH, nous disons que c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandi aujourd'hui, pour nous même placer, c'est prison ou cimetière. Vous faites quoi? C'est des terroristes qui vous avez. Nous n'avons pas d'accord pour que les gens puissent négocier avec vous. Et vous faites trop et l'eau coulée dans les yeux. Nous même journalistes qui sont victimes, la population, la police, vous faites un paquet d'actes dans la société, mais nous n'avons pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale. Qui décide, monsieur, un commissaire gouvernement, ou un homme pour neutraliser, pour poser une question, pour torturer, et pour dire que vous avez un dernier mot pour dire et en bon mot. Dans quel pays qui est né? Et puis tout. Je vais finir avec vous. Un fond de nègre, sous juridiction, Muscadet. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est le baron qui est sous Fondenec. Tilapli a pris le terre dans Fondenec et baron. Il a gagné et nous avons capturé. Il a gagné un pile business dans le marché Fondenec. Et maintenant, dans le marché Fondenec, le businessman dans Fondenec. Yo bay Miskade comme et régulièrement pour faire travail. Vous allez voler avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale pour faire travail. Mais businessman qui travaille pour la bio, yo bay Miskade comme régulièrement. Ça veut dire que Miskade n'a mangé l'argent qui n'a pas mis, n'a mangé l'argent bandit, n'a mangé l'argent gang. Et pour qui ça n'est pas engagé et aucune poursuite contre et la bio. Je ne vais pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce qu'il fait maman Tilapli fait cahier pour maman et Fondenec dans Baron, dans la section et rurale là. Mais quand même, il connaît tout le business qui est en bas, il connaît tel qu'il est, il connaît l'hôtel, il ne va jamais faire rien. Donc, RNDDH fait une lettre. Alors, tout d'abord, dans fin novembre 2023, et les Miskade avec le commissaire gouvernement au Kaila,
Alors, commissaire Muscadet, et comme disait, pour ne pas déranger Annie Muscadet, et yo des bonnes discussions sur les réseaux sociaux. Et pendant et pour qui ça, c'est parce que Muscadet, tu as fait un descente lié dans un hôtel qui n'a pas ça, qui passe sous juridiction. Et Richemont dénonce ça, et commissaire Okaï. Le commissaire Gwenno Kaye et Richemont dit que c'est pour Bosley et il a travaillé. Alors Bosley, il a parlé des RV Foucan, c'est RV Foucan qui sont trafiquants de drogue qui étaient muscadiens sous Jovenel comme commissaire Gwenno et dans Miragouane. Et tout de suite après, nous avons un ministre de justice qui est là, c'est Emily Prophète, il voyait deux lettres de blâme. Une pour muscadien, commissaire muscadien, une pour commissaire et Richemont. Et puis, nous faisons l'aide avec un ensemble de cas, des 10, des gens qui sont victimes, là-dedans, des bandits, des innocents, nous dit ministres, mais qui sa commission l'a fait en bas, et on l'aide de blâme pacifique, nous demandons pour révoquer. Oui, nous campons des lettres qui nous ont écrites en décembre 2003. Kenya, alors, premier contingent est arrivé le jour mardi 25. 2024. Et faut que moi dis nous tout, yo rivé nous pour parler pour nous. Yo vini c'est parce que la Russie d'avoir prend une tête conseil de sécurité et les États-Unis et le Kenya. Alors les États-Unis avec les Nations Unies le Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête conseil de sécurité pour pas bloquer. Et pour pas voir yo la 2025 et yo a fait Tiflané dans la zone Gaba. Yo allé Chanmas, mais pour répondre à la question directement, c'est la police nationale là qui prend le contrôle de l'hôpital général, ce n'est pas Kenya. Moi-même, je pense que là depuis le 25 juin, ça fait déjà deux semaines, et j'étais doué pour nous-mêmes. J'étais doué commencer dans la RIA avec des unités spécialisées. Et dans la police pour explorer les zones et si on a une opération qui va faire, on va le faire tout dépend. Mais nous ne pouvons avoir aucune action et concrète, nous ne pouvons avoir présence. Et ça, ou un article kenyan et son propagande. Mais j'en ai dit, l'hôpital général, c'est la police nationale de la Guinée, et les toujours sous contrôle et PNH, contrairement avec sa table. Et gagner le bon appétit.